Hey, salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'étais censée te faire une vidéo DIY, mais par manque de temps je n'ai pas pu la finir. Et je pouvais pas te laisser comme ça un vendredi tout seul, parce que moi le but c'est de mettre une vidéo tous les vendredis, c'est une obligation pour moi. C'est n'importe quoi, mais c'est vrai, oui ou pas. Enfin bref, on s'en fout, cette vidéo là n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais je tenais vraiment à le faire parce que j'ai... Voilà. Ça veut tout dire. Eh bien, je voulais te présenter la petite nouvelle de la famille. Cara, tout juste 2 mois. Mon chéri l'a retrouvée dans l'entreprise où il travaille. Elle était avec 2 autres petits frères et sœurs. Et il ne pouvait pas les laisser tout seuls, abandonnés. Ils étaient abandonnés, ils étaient tout seuls. Donc, c'était pas prévu qu'on ait un nouveau petit chat. On avait déjà assez de monde comme ça à la maison. C'était pas du tout prévu. Mais on pouvait pas la laisser là-bas, toute seule, abandonnée, avec ses frères et sœurs. Alors les collègues de mon chéri ont pris les 2 autres, et puis nous on a récupéré cette petite minette. Toute mignonne, toute gentille, toute adorable. Donc voilà, on a entre guillemets sauvé de la rue. Hein ma Fifi? Bah oui, hein, t'aimes bien jouer. T'es une petite joueuse, bah oui t'as que 2 mois en même temps. Hein. Bon, le seul petit hic... C'est que mademoiselle est malade. Elle a une pneumonie ou une bronchite. Le veto n'a pas su nous dire exactement. Donc elle a des médicaments à prendre pendant 10 jours. Elle pète le feu, elle est en pleine forme, elle mange super bien, mais elle tousse énormément. Et elle respire vraiment très bizarrement. Mais en dehors de ça, elle est... Attends, elle va tomber. Où c'est que tu vas? Viens là. Voilà. Elle miaule tout le temps. C'est une vraie gonzesse. Elle miaule, elle miaule, elle miaule. C'est tout ce qu'elle fait. Ah mon bébé chat. Mais voilà. Enfin bref, c'était juste une petite apostrophe, une petite vidéo assez courte pour te présenter la petite nouvelle de la famille. Qui n'était pas du tout prévue à l'origine. On voulait plus d'autres animaux pour le moment, mais bon bah. On pouvait pas la laisser toute seule. C'était pas possible. Et c'est un sacré phénomène celle-là. On s'ennuie pas. C'est un cirque à elle toute seule. Bon, le seul petit problème, encore un autre petit problème, c'est que elle était à la rue, donc elle avait l'habitude de chasser les oiseaux. Et c'est ce qu'elle fait aussi avec les nos deux petits bébés. Ça c'est pas cool. Donc on essaye de lui faire comprendre que ceux-là, non, il ne faut pas les chasser. Mais c'est difficile. Donc on a peur des accidents, mais bon. On surveille quoi. Voilà. Et quand on n'est pas là, on les enferme chacun de leur côté, et normalement, tout devrait bien se passer. On croise les doigts. Ah, ça me ferait mal au cœur si je devais en perdre un. Parce qu'elle, elle chasse les oiseaux, mais mon Tiki, le petit vilain, lui, il se laisse pas se faire, et donc il donne des coups de bec. Petit con, va. Donc, mutuellement, ils peuvent se faire du mal mutuellement. Donc, c'est dangereux. Alors, on surveille, on fait attention. Voilà. Et en ce qui concerne les autres chats, et ça se passe plutôt bien. Hein? En fait, ils en ont rien, ma Fifi. Tu t'en fous, toi? Hein? Elle a joué un peu les mamans, entre guillemets. Elle essaie de lui apprendre le droit chemin. Il y a du boulot, elle a que 2 mois. Normalement, les chats ils sont sevrés à partir de 3 mois. Donc, elle est un petit. C'est pas qu'elle est mal élevée, non, mais il y a certains gestes qu'il faudrait pas qu'elle fasse. Par moment, elle nous griffe les mains. J'ai les mains tout abîmées, moi, la vilaine. Et la voilà, elle grimpe sur ma jambe. Tu fais mal avec tes petites griffes, ma vilaine. Oui, tu fais mal. Elle a mutin. Elle est bien réveillée, elle a envie de jouer là. Hein, t'as envie de jouer? Plein de bisous, plein de câlins le matin. Là, elle a envie de jouer. Mais alors, le matin, nous réveiller avec des... Je sais pas le faire, mais un ronronne énormément le matin. Elle nous fait des bisous. Elle arrête pas le matin. Et tout ça pour dire, j'ai faim! Lève-toi, donne-moi à manger! Hein, mon chat? Mais montre pas tes fesses, ma polie. Bah oui! Oh, putain. Elle tient pas en place. Quand tu la vois comme ça, ça se voit pas du tout qu'elle est malade, la vilaine. Hein, hein mon bébé chat? Et avec le chien, eh ben pareil, elle en a rien à foutre, elle le calcule même pas. Alors comme ça, c'est réglé, c'est très bien. Celui-là qui est un peu plus chiant avec la petite minette, avec le bébé, elle l'accepte pas trop quand même, hein?
Il est devenu un peu vilain. Un mot, pépère. Mais non, mon chat. Bah oui. Oh là là, mon petit chat. Tenez le temps, on était déjà assez nombreux dans la maison, puis nous en ramène encore un. Ils font chier, hein. C'est ça que tu dis? Mais on pouvait pas la laisser toute seule, la pauvre. Bah alors, mon chat, si on avait fait la même chose avec toi, tu serais encore dans la rue, hein? Alors? Elle est tellement vilaine qu'elle les attaque. Enfin, elle les attaque pas pour leur faire du mal, elle les attaque pour jouer, parce qu'elle avait l'habitude de jouer avec ses frères et sœurs. Sauf que bah, mes bébés, là, ils sont pas pareils, hein. Ils ont plus l'habitude de jouer avec des bébés. Enfin bref, tout ça pour dire que malgré sa pneumonie, elle va très bien. C'est bizarre à dire, mais bon, c'est vrai. Elle pète le feu, elle joue énormément. Elle tient pas en place, hein. Elle mange énormément, elle est hyper propre. Dès le premier jour, elle a été à la litière directe. Rien à dire. Super. Voilà. Donc du coup, on va voir. Pour l'instant, les médicaments ont l'air de faire effet. Elle va beaucoup, elle tousse beaucoup moins. Et sa respiration est légèrement mieux. Donc bah, on va attendre. Hein. Là, ça fait 3 jours qu'elle prend ses médicaments. Seulement 3 jours, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc on verra au bout de 10 jours. Voilà. Voilà, voilà. C'était tout. Du coup, c'est tout. Sur ma 3e chaîne YouTube qui est dédiée à mes animaux, et bah, y aura une petite nouvelle en plus. Voilà. 4 chats, 2 oiseaux et un chien. Rien que ça dans un petit appartement. Il est temps qu'on se barre, qu'on déménage dans une maison. Ouais, bah c'est pas gagné pour l'instant. Enfin bref, voilà, j'arrête de blablater. C'était une vidéo courte et finalement je crois que j'ai fait une vidéo à rallonge. Encore une fois, ouais. Bon du coup j'arrête, je coupe encore à cette vidéo. Donc dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation de ma petite Cara t'aura plu. Hein, n'hésite pas à me laisser n'importe quel message et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Ce qui te passe par la tête, hein, y a pas de problème, moi je réponds. Je suis un peu longue à la détente, mais je réponds. Parce que c'est la moindre des choses. Si tu prends du temps pour venir me parler, la moindre des choses, c'est que je te réponde, non? Ça me paraît logique. Correct. Poli. Voilà. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Donc moi, je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Moi qui manque juste à la fin. Eh, vivement lundi qui retourne à l'école. J'en ai marre de vous. On n'a rien fait. On n'a rien fait? Bah non. C'est ça le problème. Je voulais pas qu'elle retourne à l'école à cause du virus, hein. Mais finalement, les deux dernières semaines, je crois que ça va faire du bien. Hein. Vous êtes trop chiante, j'en peux plus. Au secours! C'est fait exprès. Elle est en train de grimper dans mon rideau. Et ils sont pas costauds les rideaux, ils vont tomber sur la tronche. Hein. Oh putain! Elle m'a sauté dessus! Elle s'agrippe sur le jean et elle grimpe. Sauf que mon jean, il est très fin. Et je sens toutes les petites griffes à travers. Tiens. Oh, la vilaine. Et ça devait être fini normalement la vidéo. Hein. Stop. Moi, elle est pas vilaine avec moi. T'es sûr? Petit bébé. Hein, ma petite vilaine.